qui fait le jeu là, mais il n'y a plus personne. Alors attendez, que je mette bien les bons trucs. Franchement, j'aime beaucoup de la manière dont j'ai réorganisé mon OBS. C'est beaucoup plus intuitif. Et là, mon écran secondaire me sert à tout. Je vois quelle est la qualité de mon enregistrement, enfin où j'en suis. Je... Oh là, il y a un truc qui gagne de jeu, c'est terrible. Je vois le chat, un miniature qui foire, je le vois maintenant. C'est... Et j'ai les jauges de son. Donc... Super pro. Super professional. Mélodie, tempo, harmonie. Ah, je vais me servir. Servir quelques speculos avec mon café au lait. Ça, conseil de construction. Hein? Oh la vache! Il y en a des choses à faire. Alors, les voisins ont besoin d'aide. Là, il y a une zone à zombies en ruralité. Là, là il y a un coup de main. Oh là 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 là. Bon, on y va. C'est la guerre la plus absolue. C'est zombiesque. Alors ce qui aide c'est que... Attends, je suis fou, j'ai pas vérifié mon inventaire. Non mais non, elle a un bon matos celle. Ce qui aide c'est qu'il fait jour. Ah, allez, faut que j'arrête de carapater parce qu'elle va être essoufflée et ça va me porter préjudice. Attention la vache. Ça c'était du saut. Oh, eh oh, y en a qui sont trop en forme là. Oh, le carnage débute sous nos yeux. Allez. Bon, la palissade a calmé les autres zombies qui sont restés de l'autre côté. Les jambes de l'autre côté. Là, ah, il y a un truc écrit sur le paillasson. Welcome, comme tout le monde. Bienvenue. Welcome, welcome. Alors, besoin d'aide. Could use your help over here. Well, guess I'll follow you. I'm on this like stink on a bloater. Oh. Eh ben, grâce à elle, je viens de réviser que une crotte en anglais se dit blau. Une bouche en anglais, ça je dis blow. Ah oui. Allez, 1, 2, 3, 4. J'ai du bol de pas avoir de horde de zombies là dans les médias. Bon, elle me suit. Rechercher le zombie sauvage. Ouais, mais... Ah, j'ai marché dans quoi? Ah, je veux même pas savoir. C'était peut-être la carcasse d'un cheval. Looks like trouble up ahead. Voilà. On n'en parle plus. Alors, le zombie sauvage, il est là-bas. Oh merde, il y en a du monde. Faut être trop nombreux. Ah, merci. J'aime pas trop de gueux. Violence forestière. Zombie merveilleux. Non, c'est pas ça. Non. Allez les filles, allez les filles.
I want to swing wide. We got zombies to the left. Ouais, ils sont au sol, mais ils sont bien. Ah bah. J'allais dire, elle va aller chercher là ou quoi. Mais il est où ce zombie? Il est à 15 km. Je vais sur le repère bleu là. Oui, bien, bravo. Oui, bah, mangue tes fesses et suis-moi, ma grande. Parce qu'il y en a même devant. Merci. On continue à la recherche du zombie sauvage. Dali dali la da, dali dali do da. Le zombie sauvage. Il est haut. Oh mon dieu, il était caché dans les herbes lui. Rabbit. Eh ben dis donc. Est-ce qu'on essaie de crapahuter? Non, c'est trop. Le relief est trop important. On va pas pouvoir escalader ça, c'est pas possible. Oh merde, faut que je prenne un médoc, moi. Elle est. Ouais, elle était pas top énergie, la miss. Oula, il y a deux hordes sur la route. On va se calmer, on va longer la montagne. On va discrètement passer dans le. Oh merde. Les zombies sont droit devant. Ah, réflexe niveau 2, d'accord. Mais attends, mais il est où le zombie là? On est en train de faire 15 km à pied. Là, là, il faut prendre une bagnole, c'est pas possible. Et toi, va mourir. Et but! Oh, cette violence. Attendez, je consulte la carte là parce que. Ah bah non, ça y est, j'arrive enfin dans le cercle. Au moment où je commence à buter. J'arrive enfin dans le cercle de la zone d'action. C'est pas un zombie sauvage. Si vous regardez bien, c'est LE zombie sauvage. Il est unique. Ah. Alors oui. Merci. Allez. Petit plaisir. Merci. On a gagné. Oh la vache, la cochonnerie. Take it easy. Mais où est-ce qu'elle court? Ah. Et tu cours après l'amour. Jour et nuit, change tu cours. C'est une chanson du groupe de rock français Pacifique. Putain, je vais. Alors, vas-y, je te suis. On est toujours pour le feu à deux. Le café chaud est disponible dans la grange. Oh merde, j'ai plus de jus. Mais elle se dope, elle, c'est pas possible. Il y a de la triche, il y a de la triche. Comment se fait-il qu'elle est plus sportive que moi? Ah ah, je me joue du relief, vilaine, je te rattrape. Vous croyez que les Jeux Olympiques étaient terminés? C'est faux. Dans cette tête, des qui continue. Là, c'est le 10 000 mètres zombie. C'est une nouvelle épreuve. So damn tired. Ah oui, tu m'étonnes que t'es crevé. Non, mais c'est pas grave, elle rentre dans son. Hein, dans son bac. J'ai toujours pas trouvé ce que m'avait dit Torota. Il m'avait parlé qu'on pouvait réparer les bagnoles dans les garages dans le jeu, j'ai toujours pas réussi. Bon, au moins elle va pouvoir se reposer un peu. Ah, les conseils me rendent fou. Stratégiquement, il faut que je regarde la carte parce que. On va peut-être fermer la porte par principe de précaution. Bonjour les gens, comment ça va les gens? Ah bah, c'est bien, il se restaure. Faisons le point sur le matos. Alors ça, je peux le déposer. Alors les médocs. Il m'en reste pas tant que ça des médocs, je trouve.
Ouais. S'agit d'être prudent. Bon, alors la carte, situation de guerre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ça à faire, aider à nettoyer une infestation. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner dans la base? Qui veut patater Alan, il est prêt? Come on, we're going for a walk. I'm cool with that. Ça lui va. Bon, c'est bien. Hop là. Allez, zou. Alors, on a la liberté de prendre une bagnole. Mais attends, faut que j'aille où en fait? Je me trompe de touche à chaque fois. Ah, faut aller là-bas pour lui. Ah, décidément, il aime bien la clinique vétérinaire, le mec. On va y aller à pied, ça lui fera les pattes. Tensions are running pretty high these days, huh? I guess. Anything you want to get off your chest? I'm fine, all right? Watch behind us. Ouais, y a du monde derrière nous, y a du monde derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait? On longe la palissade? Bien! Oh putain! Il a une dextérité le mec! What's up? Zombies on our left. T'arrives à suivre? Oh, cette ambiance. La tension de m'atterrir dans un bus sans pourquoi. T'arrives à me suivre? Ouais, t'arrives à me suivre. Attends, faut qu'on avance discrètement. Ouais. Ah, mais il me suit fidèle comme une ombre. Fidèle comme une ombre. Ouais. Mais non, mais il allait le provoquer. Non, mais ça va pas, non. Évidemment, il avait envie d'en découdre. Big Daddy Auto Repair. Bah, c'est là où je devrais pouvoir réparer les bagnoles. Mais il faut que j'ai un mécano avec moi. Faudra que j'essaye dans cet épisode d'apprendre à réparer une bagnole. Parce que ça va devenir hautement stratégique, cette capacité. C'est pas tout de chercher des bagnoles encore neuves et de les bousiller dans la minute. Allez, 1, 2, 3, 4, on fait du sport. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc qu'est-ce qu'il voulait là? Je sais plus. Il voulait absolument retourner dans la clinique vétérinaire, la voilà. Nettoyer la zone. Oh non, elle exagère l'autre. Bien sûr que t'as encore du souffle et de l'énergie. Ah, c'est là-dedans qu'ils sont. Ces idiots, ils sont tous dans la... Oh mon dieu. Ils sont un peu nombreux. On va tenter une petite diversion. Le rythme est bon. Break its fucking skull. Non, il va...
Alors, nettoyons la zone. On n'a pas fini. Not too bad. Let's go. I'm on this like stink on a bloater. Which blow? C'est blow. Il ne reste absolument rien. Revenir à la base. Mon dieu. Alors, c'est quel FedEx d'aller du point A au point B? J'aimerais en profiter pour justement apprendre à réparer une bagnole. La question c'est comment? Monte à bord, mec. Alors. Anyway, I wanted you to know that I understand your frustration. Well, excuse me for being a little stressed out over the end of the world. You don't get special treatment just because you're pissed off. Don't act like the enemy or I will treat you like one. Il faut aller là pour réparer la bagnole. Bon, déjà, il faut réussir à viser le truc. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, c'est gémissement. Ouais, il reste rien, effectivement. C'est un bureau indépendant, ça? Ah ouais. Le petit local où le gestionnaire fait sa compta. Attends, c'est quoi la boîte? Wester? Soda, jus de raisin, je sais pas quoi. Bon, bref. Bref. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de véhicules. On va remonter l'avenue à pied. Trouble, I'm right flank. Oui, bon, on va essayer de pas se faire remarquer. Keep your eye on our right. We got zombies incoming. Here is zombie. Oh la vache, ils vont monter jusqu'au panneau là-bas. Une petite trotte, hein. Honnêtement, je pensais que j'allais avoir un trajet plus court, mais non. Une vraie petite trotte. L'église de l'Ascension. Ouais. Sprint. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, je peux prendre ce risque puisque je suis à l'approche de la base. Ouais, bien. Look, I'll think about what you said, okay? Good. Tiens, je me souvenais plus qu'on avait gagné 1 en population. Ouais, je vais changer d'arme parce que la clé à molette qui est usée, c'est pas cool pour la baston. C'est pas cool. Je vais la déposer et je vais prendre autre chose à la place. Oh punaise, c'est trop lourd. Eh ben voilà, ça c'est bien une croix. Hop. Très très bien. C'est très très bien. On va faire le point sur la situation. Quelqu'un a besoin de parler. Ok. C'est elle qui a besoin de parler. It's another beautiful day. Come on. You and me are gonna go out there and kick some ass. You'll feel better. I can do that. Mm-hmm. On va chauffer un petit canage. Allez hop, on va passer directement par là. Alors est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est quoi? Non, c'est pas trop loin, c'est en face. Petit carnage de maison.
Some pretty scary shit going on out there, huh? You can say that again. Hell, if I'm being honest, some days I don't even want to get out of bed in the morning. I guess. Ah bah c'est là. Ah non, c'est pas là. Non, ça c'est une base potentielle. Hop là, franchissement de clôture. Oh, le carnage dans le jardin. Zombies on our right. Sprint. Okay, now we're gonna kill some zombies the old-fashioned way. Non, mon arbre contondant est déjà endommagé. I'm on this like stink on a bloater. Oh là 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 là. Revenir à la base, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. On n'a même pas un véhicule à shipper. Si, il y a un véhicule là-bas. Bah tiens, là aussi on peut faire le test du véhicule à réparer. We got zombies coming in. I see something. Looks like an infestation. Bah, tu veux qu'on fasse l'infestation? Allez! Allez! Danser la macarena, nous. Ah. Voilà. Ouais, non, mais là, elle est en PLS, là. On va se calmer, on va attendre. On va prendre un petit médoc. Et on repart. Bon, on a gagné. Aïe, presque. Oh là, il y en a du monde. Looks pretty clear to me. C'était chaud, mais on a géré au final. La 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 la. Donc je disais, gérer un véhicule cassé pour le réparer. Apprenons. Apprenons en allant au garage. Et le garage, il est là. Donc ensuite. Attends, faut que je dégage l'autre véhicule, j'arrive. Et le véhicule là, il est dit réparé. Merde, oh là, con. C'est pas la con, pilote. Voilà. Attention, j'encule.
La confiance perdue, chauffard. Oula. Voilà. Ils sont chiants. His head's up ahead. Attention, il y en a un derrière moi. Ah, d'accord. Alors comment ça marche la réparation de véhicule? Mince. Toyota m'avait dit qu'il y avait moyen de réparer les véhicules dans le jeu, mais je sais pas comment on fait. Je suis au bon endroit, mais j'ai pas la compétence pour... C'est ballot. C'est ballot. Bon bah... Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de vitre. Bon allez, on rentre à la base. Non, franchement, il faut que j'apprenne à maîtriser la réparation de véhicules, c'est pas possible. I don't know what we're doing out here, but don't you think we should get back? We're about done. Thank you, by the way. I couldn't have done this without you. Bullshit. I mean it. We gotta stick together, right? Alone, I would have been vulnerable. We need people to watch our backs. I appreciate your concern. It means a lot to me. I'm glad. Et le moral est bon, hein. Souvenez-vous, il y a encore 2-3 épisodes, j'avais le moral au plus bas dans la base. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme arme? Le bâton de polish. Et il y avait... Il y avait une zone à gérer. Aider à nettoyer une infestation. Rumeur, science radio, l'armée se fait étrangement discrète. C'est vrai. C'est vrai qu'avec leur bourde de la dernière fois, il n'y a plus rien depuis. Bon, je vais aller voir l'infestation zombie là-bas. I'm on the move. You've been pushing yourself like crazy. Come home and get some rest. You need to get home right now. And? Hold on. Quoi? Il a tué le pasteur? Non. Attends, je reviendrai sur la horde plus tard parce que là. Comment ça, il a buté le pasteur? C'est quoi le délire? Bitch, all you want, you know I'm right. None of you had the stones to do what had to be done. The fuck you and your noble murder bullshit! You don't go shooting people without at least consulting the fucking rest of us! We don't know he was going to die, Alan. The hell we didn't. Everybody who gets this black fever shit ends up dead sooner than later, you know that. You still should have talked to the rest of us first. We sit around talking about our feelings all day, and then what? He turns when nobody's looking, eats 3 of us before we put him down? What about me, Alan? Do I need to start sleeping with one eye open? Start getting sicker, and maybe. Scène de crime, problème non réglé.
Ah. Je dois mener l'enquête. Trop de hordes? Non. Faut que je fasse carnage zombie. Mais je vais y aller à la... à la Molotov. What's up? Oui, prends voir la relève, s'il te plaît. Alors, il a quoi, lui? Hein? Il a pas de sac du tout. Tu vas apprendre à prendre un gros sac, mon cochon. Merci. Alors, il a un flingue, mais il a pas de... Mon Dieu. Mais c'est un guignol, ce mec. Il prend un flingue, mais vide. Il veut faire de la figuration, là, ou quoi? Oui, t'es un costaud pour un fusil à pépon. Voilà. Le reste est correct. Le reste est correct. Il y a enquête à mener, non? Influence quotidienne limitée par la réputation. Ah bon? Alors attends, dans les... Oh merde! Intercepter les hordes de zombies. Alors attends, j'avais dit que j'y allais à la Molotov. J'avais dit que j'irais à la Molotov. On va bien rigoler. Ou la bombe incendiaire. Oh la vache, des Molotov, j'en ai 17. Allez! Ah, je peux en prendre, ouais, par l'autre 4. Et eh ben, c'est parti pour 4. Allez, c'est parti. On va se faire des hordes de zombies. Ça va être la guerre. Il a pas une grosse endurance, le mec, si vous avez observé. Là, sa barre de vie en rouge, elle est assez limite. Je sens qu'il va crever, ce mec. Il est pas très endurant. Alors... L'ordre des zombies. Venez à moi. Et ben voilà, c'est une ordre de zombies en moi. Je te prends un témoin là, madame zombie. Hop, hop, hop. Ah oui, ils sont contents. Alors attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais je peux plus faire appel au pasteur puisqu'il est mort. T'es horrible. Oh la vache! Ah oui, il y en a plein des hordes de zombies. Pourquoi j'ai un drapeau noir? Un drapeau rouge, pardon. Je sais plus parler. J'ai auto-boiqué mon cerveau. Alors attendez, descends mon grand. Allez, saute! Yeah! Très bien. Alors, il y a des hordes de zombies ailleurs. T'es sûr que tu tiens bien ta matraque de police? Je suis pas certain qu'ils sachent s'en servir, mais bon. Faut que je gère les hordes de zombies, madame. Voilà. Voilà, voilà. C'était la horde de zombies. Strike! J'ai même pas eu à corriger au corps à corps. Préparation pour la grippe. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte, le jeu? Oh la merde! Je peux revenir sur mes pas, il y a deux hordes là-bas. Nouvelle infestation, c'est pas bon. Lieu infesté d'une horde de zombies. Alors on va se calmer, je vais essayer de faire d'abord les hordes qui errent dans la rue.
D'ailleurs, c'est limite si je pourrais pas monter sur un point culminant et faire du repérage. Ça pourrait aider. Ah! Il court un peu trop vite, lui, il est raté. Là. I just spotted an infestation. Wow. Ouais, mais l'infestation elle va être sport. Là. Alors là, on est dans la merde. Clairement. On va pas les provoquer. On va y aller. Bah vite. Bon réflexe. C'est chaud. Alors j'ai plus de trucs incendiaires pour l'infestation. Bah c'est dans les chiottes, génial. Allez, recharge. Oh, cette violence, mais c'est efficace. Eh, je gère bien, hein. Excusez-moi du peu, mais ce carnage zombie se passe très bien finalement. J'ai les bons réflexes. Attends, on n'a pas fini, il y en a encore. Tu vas te taire, le hurleur de mes deux. Silence. Challenge. The Shang of Challenge. Alors, les autres toilettes. Merde, j'avais pas eu le deuxième. Tête, la madame. Tiens. Reprends mes docs, mec, parce que t'es vraiment dans le mal. D'ailleurs, t'as grigné de manger aussi un petit morceau. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des... Ah mais c'est la merde folle. Sheltering at the courthouse are required to turn in any and all supplies found to the designated supply officer. Failure to do so will result in docking of rations, imprisonment or expulsion. Might want to head down to the courthouse and see what's going on. Non, j'irai pas au tribunal avant un petit bout de temps. On a beaucoup à faire avant. Comment récupérer des cocktails molotov. Oh merde, il est hors de là, faut pas que je les excite. Incroyable, il faut que je retourne à la base, reprendre des trucs incendiaires pour diminuer drastiquement les hordes de zombies dans le dans la ville. Toi, tu vas mourir. Oh, d'un coup. C'était propre. Allez, on file dans la réserve de la base chercher des bombes incendiaires ou des molotovs. C'est nécessaire.
Qui c'est qui fait le vigie? C'est la madame. La madame qui fait le vigie. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Oui, bah tu vas mourir. Tu vas mourir. You okay? You're not looking so good. Yeah. Okay. You say so. Maybe grab some meds from the communal supply though, huh? Hmm. La euthanasie. Molotov. Des Molotov. Trop d'infestation. Oh, le moral est bon. Alors que le pasteur est mort, c'est horrible. Le moral dans la base est très bon. Oh la vache, non mais il y a trop de... Oh, il y a du hurleur là-bas, il y a... Mais je pense que je peux faire les trucs là et revenir sur mon... Avant de revenir à la base, vous voyez. Je vais faire ça, 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 puis ça. Avant de rentrer. Allez, c'est parti. J'ai pas vérifié mes lacs. Oh, ça va. Oh. Pff. Comment qu'il s'est fait abattre? Ça a l'air tranquille dans la rue. C'est le calme avant la tempête. C'est horrible. C'est horrible. Attends, j'ai perdu le lieu de... Attends, c'est où? Toujours mauvaise touche, tout va bien. Ah merde! Je suis pas du tout, il faut que j'aille là-bas. Voilà, c'est comme le jeu du bombardier, là, j'avais un très mauvais cap. Sens de l'orientation, zéro pointé. Ah mon dieu, c'est vrai que je suis jamais allé ici. Oula! L'infirmière m'a trouvé à croquer, l'infirmière Joël. Zombie. Hop 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 hop. Mais non, mais. J'ai tiré à bout portant, ça compte pas. Non, mais faut arrêter là. Oh merde, bien. Oh, lui, il est dangereux. Oh, il va me buter. Bon. Crotte. Mais c'est chiant. Le coup du fusil qui dépasse la cible. Quand t'es au corps à corps, c'est chiant. It killed me when he left home. And just when I thought I'd gotten him back, I'm sorry, I can't. Mais il avait pas une grande endurance, le mec. Lui non plus, je trouve. C'est moyen. C'est bizarre, je trouve que les dames sont plus endurantes que les mecs. C'est fou, ça. Eh oh, tu abuses des médocs, toi. Il faut arrêter, monsieur drogué, là. Faut partager, mec. On se calme. Et en plus, il a pas le bon armement. Prends un flingue. D'ailleurs, il faudra récupérer celui de la victime. Quand je pourrais. Calibre 22, revolver Blackbird. 9 mm, c'est ce qui est le plus courant, non? Ah, il y a des balles dans celui-là. Vas-y, équipe-toi de celui-là. Et prends des balles bonus. Ouais. La binette. Je pense qu'il va y avoir un gros carnage, donc je vais te prendre deux armes. Support de microphone, oh mon dieu. Ah, une bonne batte. La bonne batte des familles. Voilà. Bon, je vais aller chercher la dépouille du regretté Prout-Prout qui avait fait un magnifique... Non, c'est pas la même chose. Mais merdoum. Bonjour, petit Seb. Sounds like they're in a bad spot.
Non mais j'ai déjà un objectif, Lily. Tu vas te calmer, Lily. Je peux pas tout cumuler non plus. J'espère que tu vas bien, petit Seb. Je me posais la question de venir. C'est bizarre, je te vois pas ce matin. Du coup, j'espère que c'était que t'as pu faire une grasse mat. Est-ce qu'il s'appelle cracher la binette? Oh mon dieu, quelle horreur. C'est quoi cette horreur? Ah merde, j'aurais pas dû m'approcher. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Non, j'aurais pas dû faire ça. Alors, la dépouille du malheureux. Ah bah, c'est bizarre, je t'ai pas vu dans mes radars. T'es trop planqué, petit Seb. Donc du coup, j'ai pas eu ton... J'ai pas vu que t'avais pris ton propre direct, petit Seb. T'es trop planqué, ça va pas, du coup, on peut pas voir que tu fais tes... Bah, mes radars sont cassés, excuse-moi, Discord, t'étais en inactif. Je sais plus quoi, t'étais en inactif aussi. Quand je te dis que t'es trop planqué, petit Seb, alors tu veux éviter les enquiquineurs, je comprends, mais en même temps, tu te mets pas en lumière pour tes spectateurs. Enfin, bon, bref. Chacun fait ce qui lui plaît. Discord, t'es en ligne? Ah, tout à l'heure, je te prie de croire que... Franchement, je déconne pas. Je te prie de croire que Discord, tout à l'heure, j'ai pointé vers 10h. T'étais inactif, t'étais désactivé, t'étais hors ligne. Donc, il y a un truc qui va pas. Ou alors, la faute revient à la plateforme qui a des bugs. Mais sans déconner, t'étais aux abonnés absents, comme on dit. Ouais, bah bug. Bug dommageable, parce que mon intention première était... te contacter pour éventuellement faire un truc en commun, mais c'est pas grave. On verra ça ce soir si t'es dispo. Là, je fais du zombie encore une heure, et puis après j'ai épisode commenté. Oh la vache. Non, j'ai pas fait de mal à taf. Alors, les militaires vont être chiants. Ah non. Voilà, j'en connais un qui pourra pas hurler. Attends, il y a une horde pas loin, mais j'ai pas de mal à taf. Bah, je sais vraiment pas quoi faire en multi. Ah. Attends, est-ce que ça marche comme dans Project Zomboid non, je peux pas saisir la bonbonne comme dans... Daylight. Oh, c'est un container. On en a encore deux dedans. Au moins. Ouh là 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 là. Bam 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 bam. Ah bah, y a personne autour. Infestation nettoyée. Bon, c'est bien. Alors, fouiller. Effectivement, je m'étais encore jamais rendu dans ce camping-là. Et... Alors que c'est proche de la base. Hein. C'est quoi ces matériaux de construction?
Bon bah c'est bien. Il n'y a plus dehors. Ouais, sympa. Nice. Sympa, sympa, effectivement. Nanonaï. Ah, 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 lui il va me faire suer. Je peux pas continuer ma fouille. Allez, fouille de la grosse malle en bois. Je reconnais qu'elle est stylée. Pour un container, punaise. Le seul endroit où je suis discret, c'est sur Steam, où je suis en invisible. Non mais j'ai eu un bug, petit Seb. Pour moi, t'étais pas en ligne. Mais bon, bref. Ah là 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 là. Bon appétit, si vous passez à table. Citizens of Trumbull Valley, I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. Mm-hmm. Hmm? Ha ha ha! Y a de ces trucs. State of Decay Year 01, c'est le même jeu. Oui, c'est ça. Je suis encore sur le premier opus de la saga, qui, je rappelle, m'a été gracieusement offert par Torota. Merci Torota. Et parce que si je dis pas de bêtises, Torota, lui, il a fait les deux premiers. Je sais plus s'il y en a un troisième en préparation ou je sais plus quoi. Et sympa, sympa. Franchement, j'aime bien. Je me barre avec le van. La carte dit quoi? Oh putain, merde, il y a une zone... Oh là là, infestation. Il y a ça là-bas que j'ai pas fait non plus. Ouais, je prends la bagnole et je vais aller voir. Allez, je prends le van et je vais aller voir. Il y aurait une infestation par là-bas. Voilà. Bon, zombicide par véhicule, de rouler sur 250 zombies. Oui. C'est chose faite. Harry's here. Ah oui, tu m'étonnes que la zone est sécurisée. J'ai fait un streak. Bon, alors attends, au bout de cette route là, il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ah, la violence est terrible, regarde encore une. Regarde-moi ça, petit Seb, c'est trop peu. Oh, c'est horrible. Il est horrible. Ah, il s'accroche. Oh, je vous ai oublié, monsieur, excusez-moi, j'ai fait marche arrière. Je suis un monstre. Alors, il y a quelque chose par ici. Ah non! Oh merde! J'ai fait les écraser, les pauvres. Oh, c'est un nouveau boys band. Ah non, il y a une madame. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Our friend here would be happy to take you home. Wouldn't you, friend? Mais oui, allez, on le ramène. There, you see? You'll be in good hands. Why do I doubt you're helping this guy out of the goodness of your own hearts? Just looking after our customer base. You understand. Get him home safe. Drinks are on me when you get back. Bon, bah le véhicule est là, fumant.
sanguignolant. Je sais pas, je sais pas combien de litres de sang que j'ai sur le pick-up. Alors, tu me dis, petit Seb, j'ai le jeu, envie de l'installer juste pour aller écraser des zombies. Alors, le entre guillemets défaut de ce premier opus, c'est qu'il est en solo, il n'y a pas de multi. C'est le deuxième qui propose de départir en multi. Là, là. Boys decided I was getting behind on my payments. Tried to tell them I could get the rest, but it didn't matter. That's terrible. If there's anything I can do, yeah, well, it's my own fault for doing business with them. Still, a couple of cracked ribs is better than starving, I guess. Mickey really worked you over, huh? Mickey? Hell no. He was the one who stopped it. Wait, what? Yeah. Surprise the hell out of me too. T'es à la maison, mec. Well, it's my stop. I appreciate you looking after me. I feel bad for asking another favor, but don't tell the others what happened to me, okay? They got enough to worry about without this. Where the hell have you... Oh, my lord, what happened to you? It's nothing, I just... took a bad fall. Lucky a good Samaritan happened by and helped me back here. A bad fall, huh? Well, you better get yourself inside and lie down. Go on, scoot. As for you... Well, I guess we owe you one. Nice to see not all the decent folks are gone. C'est quoi ça? Hein? Oh, nouveau fusil tombé du camion. Oui, bien sûr. Bon, j'ai un enquiquineur là du service. Oh, elle me gonfle avec son tribunal. On va y aller si t'as tellement envie que j'y aille. Je ne prends pas de passagers pour cette mission. C'est vrai qu'on avait quoi établir des bases dans notre ville. On va peut-être aller faire le point là-bas. Je changerai bien de véhicule. J'en ai marre de prendre ce véhicule bousillé. Ouh ! Un désert de Chevrolet Corvette de 1969. Stylé. Attends, c'était quoi cet endroit ? Attendez, c'est quoi cet endroit? C'est un parc d'attraction? Oh merde, il y a une horde. Attends, il y a un point de vue. Ah, le dino est un truc à... Je vais pouvoir faire du repérage. Intéressant stratégiquement. Alors, super. Y a pas grand chose. Guess that's all there is to see. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Bon, c'est clairement un clin d'œil à Jurassic Park, hein, le machin. Mais
Non, je voulais pas que tu descendes, je voulais que tu te tiennes au bord avec le flingue en main. Comme ça. Merde, je l'ai pas dans la visée. Oh la vache, j'en ai le monde. Ah, non. C'est chiant. Oh là, attends, je suis comme ça. Et là, j'aimerais... Ouais, j'y arriverai mieux. Merde, je l'ai loupé. Je m'améliore en tir. Je m'améliore en tir. Punaise, y'en a combien? Loupé. En bas. Oh, il y en a encore trop là. Je peux pas prendre 3 de. 2 encore, je peux gérer. Mais alors 3, c'est mortel. C'est mortel. Surtout que dans l'eau, il y a des excités. Je tire comme. Série de tirs en pleine tête. Oh la vache, on est à New Monde. Ouais, je peux peut-être y aller là. Ah oui, ils sont nombreux quand même. Merde. Dans le véhicule. Et je vais. Merde, tant pis pour la corvette. Voilà. Mais c'était intéressant de prendre le repérage. Attends, tant qu'il n'y a personne. En profiter pour prendre les médocs. Parce qu'il en a besoin. You know, if we don't help out soon, it may be too late. Mais de quoi elle parle, Lily? Elle me tue, Lily. Qu'est-ce qu'elle veut, Lily? Elle me bouffe, Lily. Qu'est-ce qu'il y a? Une mort non planifiée et dangereuse pour tous. Oh, il faut que je revienne sur mes proutes. Anyway, I hope you know what you're doing. I'm really not sure being buddy buddy with the Wilkersons is a good idea. Faut que je revienne à la base. Alors un coup c'est va voir la juge, va voir le tribunal et maintenant c'est vite rentre à la base, c'est une urgence, il y a un truc qui va pas. Oh là 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 là. Ah, donc ça continue. Oh la vache, ce virage! Je pouvais pas faire mieux. J'arrive à la base. Ah là 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 là.
Harley, up. There's still a few things to do out there. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. I'll show you when I get there. Ouais, bah, y a toujours des choses à ramener, mais. We've got a chance to trade some goods. Alors, faisons le point. Oui, non, j'ai des armes en trop là. Dépose. Ouais. J'ai gardé le plus lourd mais le plus robuste à la fois, donc stratégiquement ça joue. J'avais pas un truc de construction sur moi, je sais plus. Non. Bon, elle voulait quoi, Miss Lily, là, de mes deux? What's up? Je sais que je ne vais pas m'en tirer. On peut pas courir ce risque. Alors, démarrer la mission. Tuer ce membre de la communauté avant qu'il ne soit trop tard. Ou alors, il peut pas rester là. Non, bah voilà. Aller dans un endroit isolé pour l'euthanasie. Quelle horreur. Mais c'est un mal nécessaire. Ah, il y a un mastodonte en approche. J'appelle vite réglé. C'est horrible. Oh merde, attends, il est chiant. You gonna sit around with your thumb up your ass or help out? Quoi? Ah. Alors, Alors là, je ne comprends plus le jeu. Ah d'accord. Oui c'est pas un endroit conventionnel on va dire. Alors pour le jouer en bagnole je sais pas trop comment on va s'y prendre. J'ai l'impression qu'on est plutôt condamné à y aller à pied. À moins que je roule doucement à travers les arbres. Non mais le relief est contre moi là, ça va pas. Le relief est contre moi. Non, je sais pas où faut passer. Attends. Je gémis. Ah. Voilà. Ça se passe. Oh la vache. Dans le fourré. Bon, une dernière volonté. Les affaires dans le... Oui, il est un peu débile le mec que j'ai euthanasié. Il aurait peut-être dû vider ses poches avant de me joindre. Enfin bref, heureusement que j'ai un coffre dans le véhicule. Déposer. Il va sûrement avoir du matos important. D'ailleurs, le flingue, je vais peut-être le recharger. Voilà. Last clip. Better. I'll run this home. We'll be ready. Il avait, je sais pas. Ouais, il avait son sac à dos. There are still a few things to do out there. Ah, elle est terrible en gestionnaire de mission, Miss Lily là. Coucou. Re-coucou, Twinsen. Merde, j'ai un zombie qui m'a repéré.
Opportunité d'échange, nourriture. Échanger une caisse de munitions contre 5 rations de bouffe. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de munitions. L'échange me semble intéressant. Attends, faut que je retrouve la route. C'était en amont. La route était en amont. Mais je sais plus où. Ah, la route était là. La route était là. Non, avec la végétation, vas-y, toi. Barrique d'essence, ça veut dire que je peux avoir des molotovs. Indiquer sur la carte. Si je peux refaire le port de Molotov, ça m'intéresse. C'est où? Il est où le bidon? Ah, ça j'ai déjà fouillé, non? Hey, I just got a report from some folks outside Spencer's Mill. Couldn't get a lot out of them, but they sounded scared. Might be worth checking out. Oui, on verra plus tard au niveau des survivants nerveux. Moi je cherche le bidon de... Non, c'est pas sur le toit quand même aussi. Bah, il est où le bidon pour les motos? If we don't help out soon, it may be too late. Oh, elle me tue, Lily. Elle va arrêter de me faire des rapports tous les quarts d'heure. Ah, il est là le truc. D'accord. Oh la vache, faut réussir à lire. Attends, je referme la porte. Je mange, je fais mes courses et je reviendrai après l'épisode commencé pour du multi. Oui, une scène. No Zeds here. Tu fais bien. Ah non, c'est une poubelle. Bah merde, je croyais que c'était un bidon de. Non mais sérieusement, c'est où pour les Molotov? Là, je suis en train de devenir fou. Alors là, c'est un meuble, je peux interagir avec. Mais finalement, non. Ah si. Ah oui, j'étais pas devant le présentoir à bouffe. Stimulant. Stimulouche. Mais merdoum, il m'indiquait. Ah, c'était ça le bidon, c'était stimulant. Moi, je voulais des Molotov. Prout. Prout, prout, prout. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous ne devriez pas rester là, madame. Madame, je vous. Damn, I'm tired. Ouais, on va changer. You're going to burn yourself out if you don't come home and rest a little. Wow, le son pick-up stylé. I'm almost home. Got anything good? I'll show you when I get there. Je vais surtout changer de perso là parce que lui il a bien bossé. Bien content qu'il soit encore en vie le mec. On est plus cuite. Oh là, ça craint. So we got an opportunity to do some trading. I can carry the goods and make the exchange, but it'd be nice to have some backup. I'm cool with that. Well. Je valide. Alors, lieu de l'échange. Ouf.
Bon, allez, plaisir. Voiture de sport. Viens, ma grande. Madame gros calibre. Ma madame qui porte des t-shirts indécents. Alors, sur la carte, c'est où? Toujours le contour, toujours. Oh, ça, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Oh, ta voiture de sport. Hein. Alors, lieu de l'échange. C'est là-bas. C'est ici. What's up? What's the good word? Good deal. All right. Hope the return trip goes well. I'm headed back with the goods. Ready to move. Yeah. Watch your back. Ship on team. Revenir à la base. Bon, bah d'accord. Bon, bah démerde-toi, mec. Adieu. Alors, la route est là. Pa, pa, da, pa, da, pa, da. Alors, la meilleure route pour rentrer, c'est par ici. Pour les ballons. Here we are. Okay, that's all we need. Attends, ça je peux le déposer. Je prends les munes. Les munes. D'ailleurs, le flingue. Alors attends, je vais viser le mur. Voilà, au moins je recharge. Chargeur de 14. Ah ouais, j'avais plus que la moitié des balles, dis donc. Attends, je peux reprendre quelques balles, histoire d'être au taquet et d'être peinard. Voilà, j'en ai 14 plus 30. Oula, c'est la guerre. Alors, trop d'investissement, mastodonte en approche. Oh mon dieu. Probably not a bad idea to switch up your weapons every once in a while. We can fix up your broken ones overnight. Bah écoute, on va y retourner. On va y retourner. Est-ce qu'il y en a qui veulent m'accompagner dans la base, Madame Gros Calibre, je te dis. Hey. Ah, la relève. Pourquoi pas, tiens, oui. Bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Parce que c'est vrai qu'elle est... Elle est en bonne condition, là, madame. Déposer... Alors, elle, elle a... Tac, 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 tac. Très bien. Très bien, ma grande. Eh ben, c'est parti. C'est parti. On retourne là où on était tout à l'heure, mais avec quelqu'un d'autre. Pardon. Alors, là, je me suis mis de la route. Je me souviens où est-ce qu'il faut aller. La 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 la. Aïe! Oh non!
voiture de sport elle est vraiment mauvais quoi. Alors qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Par là peut-être. I already told you, we don't have any ammo. I mean, Christ, we're already down to killing zombies with 2x4s. Yeah, that's real heartbreaking. Thing is, that doesn't change our bottom line. But I don't have any! I'm not interested in your excuses. You got 2 days! Oh, and in case you were wondering, we do have ammo. Mm. Effectivement, c'est pas top chez vous. Effectivement, c'est pas top. Est-ce que je peux demander des renforts? We could use your device in some construction. No problem. I'll call your guys and walk them through it. Ok. Lily said you guys aren't actually building anything right now. Ah merde, ma communauté ne construit rien. Comment je leur demande? Établir un avant-poste. Oui, mais quelqu'un occupe, donc c'est pas la peine. Perfect. Payer la dette de l'étranger. Everything okay? What? Oh Jesus. Oh, okay. Yeah, I got that impression. Come on, follow me. Allez, go. Allez, okay. Bouge ton boule, mec. Arrête d'hésiter. Zombies coming up behind us. Bon, on peut faire une sortie express par les carreaux. Ah, on peut barricader. Ah bah attendez, je vous les barricade au lieu de les péter. Attendez, ça va vous aider, les gars. Un peu de bricolage n'a jamais tué personne. Que je sache. Could be trouble on the left. À moins d'être très maladroit. Oh, un invité. Attends, je te barricade tout ça, ce sera mieux. Oh, le temps de faire les travaux, tu vas voir qu'il va faire jour. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de fenêtres. Ah oui, il y a plein de bois dans les tonneaux là. Oh là 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 là. Je suis bordel. Je suis baja, je suis bonction, je suis bordel. Ah oui, là, il faut un escabeau là, parce qu'il faut aller chercher les. Le cadre de. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. C'est mieux. Zed's up ahead. On va prendre une bagnole et on va se barrer de là. Alors une bagnole en meilleur état quand même. Tant pis pour la voiture de sport mais... c'est pas mieux. Elle roule encore mais... Même moi, je suis obligé de descendre côté place du mort. C'est dire. Et ben voilà.
Nous avons un nouveau membre dans l'équipe. Come on, you're carrying this. This is, wow, this is a lot of ammo. What were you planning to do with this? Just follow me. And stay close. I'd rather you didn't get eaten. Non, il reste pas avec nous. Bon, bah, on va apporter des munitions, alors. L'autre voiture de sport. On va l'achever aussi. Ah. Oh oui, pas mal. Joli. Alors, sur la route, il faut que j'aille. Oh punaise, d'accord. C'est pas la porte d'à côté. Non, je me suis trompé d'intersection. C'est la horde de zombies qui m'a dérangé. Allez, suis-moi, mec. Ouf. J'avais vu sur son sac à dos, c'était gênant. C'était gênant. Here. And what the hell is this? The rest of the ammo you're owed. That should clear the debt. Well, you boys didn't have a bullet to your name. This is from your stock, isn't it? Don't be an idiot. Why would it be from their stock? Does it clear the debt or not? Yeah, bullets are bullets. Don't much care where they came from. You can tell your sweethearts their debt's settled. Sweetheart. The hell'd you do that for? I don't even know what to say. Thank you doesn't really cover it, does it? Forget about it. You'd have done the same for us. Well, yeah, I guess, but I mean, you couldn't really have known that. Oh merde! J'ai des zombies. Looks like we missed our shot. Tir de précision. Mickey Wilkinson appelle Mickey pour obtenir des tirs de couverture. Oh vache. Au niveau de la carte. Might wanna head down to the courthouse and see what's going on. Oh, elle me bouffe avec son tribunal de mes deux. Moi, par nostalgie, je serais tenté de revenir au point d'origine. Et voir si on a bien tout fouillé, d'ailleurs. Pas sûr. Je serais vraiment tenté. Mais il y a des grandes zones de vide. Hein. Je soupçonne qu'il y ait des trucs à farfouiller...
y a de la route. La bagnole est morte. Elle s'est arrêtée d'elle-même. Bon, bah voilà. Elle est au carrefour au milieu de la route. On saura comment la retrouver. Plus de bagnole, fini. Alors, on va y aller en pick-up. Bordel, tout le luxe dans la vie. Je veux retourner au camping du début. Je suis pris de nostalgie soudaine. Comme il en est. Pas sûr d'avoir bien inspecté. Oh là, y a un animal. Ah non, il y a eu l'air de mouler. Qu'elle mange un snacky là. Voilà. On peut tenter. Joli. I'm picking something up. We've gotten ourselves into a jam. Sounds like they're in a bad spot. Oh non. I'm gonna offer them a hand. I'm sending you the location now. Voilà. Ou vache. Ouf. Fucking sweet. Non, alors là, ça va rester là. Construction, construction. Non, mais on va déballer. Tuyau. Ouais, bof. Éventuellement, je les mettrai dans la voiture. Alors, pas la masse. La masse, elle reste sur place. Vache. Une réserve de trucs à travaux. C'est un entrepôt de chantier. Filière à tuyaux. Ouais. Oui, bah autant tout prendre. I'm loaded up. See you back at base. We'll see you soon.
Attends, faut que je rejoigne le véhicule. Ouais. Et encore, véhicule, je me dis, je vais prendre la petite citadine. Bon, je reviendrai plus tard au camping finalement, parce que je m'attendais pas. D'ailleurs, il y a même une autre, je sais pas ce qu'elle met. Alors c'est vrai que les petites citadines, c'est plutôt de l'esquive. C'est autre chose. Oula. C'est quoi cette réponse? Ouais, c'est ça, tu ne sais pas. On est parti. Voilà. Sus au panneau. Les corbeaux, mais c'est pas vrai. J'espère que vous les entendez pas, hein, mais dans mon quartier j'ai des corbeaux en furie. Ça piaille, ça croasse, mais. How's it going? I'm almost there. C'est la folie furieuse. Attends, dans le coffre j'avais rien du tout. C'est pas grave. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. Mm-hmm. Alors, que je te dépose tout ça. Oui, c'est ok. Allez hop. Alors, déposer. C'est bien, on a plein d'armes contendantes. Oui, je veux bien reprendre les molotovs. Parce que ça m'a bien sauvé. Ça, c'est bizarre, il y en a qui peuvent prendre des lots de 4 et d'autres 3. Elle peut prendre que 3 molotovs. Alors qu'un autre perso que j'avais tout à l'heure pouvait en prendre 4. C'est dingue, les caractéristiques des persos. Ça mérite d'être, on va dire, logique, d'une certaine manière. Pourquoi je veux plus de la bouffe? On a plus de bouffe? Non, si, on a de la bouffe, et oh, arrêtez. Arrêtez de me faire peur. Ma sauce dont on approche, conseil. Mais je sais pas construire. Comment on fait? Il y a des subtilités qui sont importantes dans le jeu que j'ai pas contribué à vaincre le mastodonte. Oui, ce serait peut-être bien qu'on lui casse la figure et qu'on n'en parle plus. Ah, il y a un appel radio mystérieux là-bas. Que si on établit notre base, on va où? On va où? On va dans l'autre ville, on retourne au camping. Donc camping, il n'y a pas de... C'était quoi la route que j'ai failli prendre? Je sais pas. Il y a une route mystère là. J'ai un truc à découvrir, j'ai l'impression. Pick-up enflammé. Tant de mystères dans le jeu. Attends, si je suis là, ouais. Les étrangers désespérés. Ça pourrait faire une bonne base si ça pouvait être nettoyé. Près d'un étang, en plus, c'est pas désagréable. Moi, je serais tenté de me délocaliser. Mon zombie mastodonte. Alors, attendez. Une fois de plus, j'aimerais gérer mon. Si en même temps. Retour à Windows, un peu violent. Attendez, 30 secondes, je me mets ma tronche. Les scientifiques ont créé le premier moteur à plasma qui n'a pas besoin d'essence, d'électricité ou d'hydrogène pour fonctionner. Oh, génial! Waouh! C'est une révolutionnaire, le moteur à plasma. C'est génial comme info, Tunsen. Là, j'ai envie de te répondre, je suis heureux de me dire qu'une telle découverte s'est faite de mon vivant. Ça me réconforte avec l'espèce humaine. On évolue bien. Incroyable. J'ai pas obtenu ce que je voulais obtenir. Je voulais gérer mon Discord. Mais réservé à la conquête spatiale pour le moment. Oui, mais les dérivés vont vite arriver. Mais c'est excellent, c'est génial.
Vous êtes plusieurs à m'avoir dire bonjour dans le... Oh, Aeroster, c'est quoi cette animation? C'est un Pokémon? Oula, qui s'y met comme image Aeroster? Mon dieu. Là, je suis trop blague. Alors, je vais écrire à Thérèse. Bonjour, je me tiendrai prêt dans 10 minutes. Voilà. Plout. D'ailleurs, si je mets comme ça, est-ce que je peux voir le... Ouais, c'est pas mal ce que je fais. Ouais, c'est rigolo. Bon, bref. Je vous remets le jeu, je reviens au jeu. On est d'accord, là, on voit le jeu. On est d'accord. Ouais, c'est bien. Oh, corbeau de mes deux. Corbeau qui me rend fou. Le voyage vers Mars actuellement dure 6 mois pour être réduit à seulement 2 mois. Grâce à une accélération constante et puissante. Vos gueux, les corbeaux, vos gueux. Les corbeaux sont vraiment en train de me rendre fou. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu vas avoir un peu de retard. Ah, bah, j'ai bien fait de me signaler à l'intéressé. On va démarrer, à mon avis, le commentaire composé. Enfin, composé. L'épisode commenté en retard. Ok, pas de soucis. Okidoki. Allez, you, le jeu. Bon, bah, va y avoir prolongation du jeu. Ah ah. Moi, je dis tant mieux, j'aime le jeu. Waouh. C'est tir de fou. Oui, alors attends, je disais qu'il faudrait que j'apprenne à établir une base. La question, c'est où? Là, il y a de la bouffe. Ah ouais. Je vais aller chercher de la bouffe dans la supérette. Je vais chercher de la bouffe dans la supérette. La bouffe dans la... Pourquoi j'ai le... Pourquoi il me parle de maison, lui? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est mon point de... Toi, tu vas mourir, toi. Voilà. La 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 la. Alors, direction supérette pour amener des vivres. Ma voiture cramée au bout de la route. Voilà. Ah, je suis con. Hop là. C'est comme ça que je fais. Point de repère. Intéressant. Vraiment? Pour le repérage, ça vaut le coup? On va essayer. C'est vrai que géographiquement parlant, j'ai des endroits de la carte qui sont vierges de toute indication. Ouh la vache, oui, ça se grimpe en deux fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, repérage. Time to take a look around. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, mais... Weird one. Zombie. There's a freak. C'est que ça. Site abandonné, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc là. Spotted a weird one. Yeah, I was afraid of that. We got a horde on our hands. Ouais. Une infestation, c'est encore pire. Looks like that's all there is to see. Effectivement, la plaie n'est pas chaud. I
Et là, il saute sur le véhicule. Ouais. Oh la chef. Vite, vite à bord. Attends, la supérette, la supérette, la supérette. Ah bah c'est là où j'ai mis. Oh, il est dangereux lui. Dans un état, la pauvre. Elle a de l'endurance, mais elle a plus de santé. Attends, j'essaie de contourner le problème, si je puis dire. Je sais pas, ils s'excitent sur une bagnole cramée. Ils sont complètement barges, les zombies, mais complètement. Bon. Ouais. Là-bas, je peux me faire des molotovs. Dis-moi qu'il n'y a plus personne dans la supérette. Il y a un zombie. Fais chier. Vous êtes pas fermé. N'attirez pas du monde. Voilà. N'excitez pas les zombies. N'excitez pas les zombies. Dora doda doudi doudi. Alors, ration de bouffe, ration de bouffe. Et ben voilà tout ce qu'il faut ramener. Ah, utilise-moi un peu de tout ça. Putain, j'ai déjà plus de place. Je vais même pas pouvoir prendre les molotovs. Sauf si j'accède au coffre de la voiture. Et d'où sort lui? Faut-il encore que je puisse me rentrer en voiture? Attends, il y en aurait une là-bas. Je vais pas me mettre en danger. Hein. Oh merde, lui, il est pas cool, lui. Oh! C'est la voiture à Jurassic Park. Mais complètement. Je ramène ça à la base parce que c'est énorme. La machine est étrangée. C'est un carnage routier. Ah mais. I'm gonna head down to the courthouse and see what's going on. J'avais bon espoir de pas collision et j'ai merdé.
pas, ils vont être contents, je ramène plein de bouffe. Je ramène une semaine de rationnement là. Oh là là, il t'a de la bagnole. Ah, ah, ce clin d'œil est juste là. La Jurassic Park, ouais, elle est tellement belle que je vais la garer là. Oui, oh, je peux la laisser là. Jurassic Park. Bon, on va changer de Gugus parce que là, elle, elle est archi HS. Elle a failli y rester. C'est la violence. C'est la violence. Alors, déposer. 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 Ouais, après elle peut garder ses... Alors, qui c'est qui prend la relève? Elle, elle prend la relève. Allez, prends la relève, Brianna. Elle aime bien faire du camping. Alors, elle a quoi en réserve? Pas mal. Pas mal, pas mal. Manque de médoc, mais pas mal. Ouais, elle peut en prendre que 3. Ouais, bah elle s'en sort plus bien. Munitions. Can't do that right now. Non, mais de toute façon, le flingue est déjà rechargé. Oh la vache! Il y a certains calibres, vous avez vu, on a 255 balles. Hop, 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 hop! Qui c'est qui a sorti le pistolet mitrailleur? Attends, 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 tu gagnes les balles. C'est à la main qu'il faut le faire. Faut le faire à la main, lui. Gâche pas tes balles. Non, non, les blindés sont au corps à corps. C'est terrible. Mais... Oh merde, une infestation de mes deux. Oh, je sais bien, je suis juste à côté. Ça va me défouler. Alors. Infestation. Oh yeah yeah yeah. C'est la guerre. C'est la violence. C'est les zombicides et du sang. Du sang à outrance. Du sang à outrance. Alors bien gérer l'ambulance. Henri. Hein madame? Suppliez-moi, je vous achèverai. Oh merde, il y en a un qui arrive. Oh là, attention, faut que j'arrête de faire les deux. Elle est pas géniale son arme. I got nothing left. Allez, on court un petit peu, mise en jambe, et on y retourne. Comme ça. Bon. Est-ce qu'elle a des molotov? Non, je lui ai pas pris de molotov, dommage. Parce qu'à l'intérieur, ça aurait fait un... Oh là là, il y en a déjà trop à l'extérieur, en fait. Je peux pas gérer l'intérieur tant que j'ai pas fait l'extérieur. Ça va être chaud à l'intérieur. Je me demande si je vais pas y aller au flingue. Boyoud, alright. Cette technique. Oh là, 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 oh là. Ah ouais, ah ouais, il y a des excités là. On va s'éloigner un peu. Oh, il y a un cimetière là-bas. Ah, il est trop excité là.
Faut qu'ils aillent au flingue. Faut qu'ils aillent au flingue parce qu'ils vont vraiment me faire mal. Non, c'est trop long. Ouais, c'est plus chaud qu'il me paraît. Merde. J'ai pas droit à l'erreur. Hop hop. C'est très très chaud comme scène d'action. C'est très très chaud. La tête, la tête. Faut pas qu'il y en ait un qui me tombe derrière. Merde. Ouh. Ouais, j'arrive pas à viser là. Bon, attends, le reste je vais le faire à la main. Recharge ma grande parce qu'on sait jamais. Et hop, retournement de situation. Oh la vache. C'est très très sport. T'as gagné un snacky. Allez, la petite pause casse-croûte. Tu as gagné un snacky. Un snacky de la vie. Et elle est au bout de sa vie. Elle est au bout de sa vie. On se calme, musique, on se calme. Ce n'est pas un peu comme on dit. Merde, j'ai tiré au-dessus de son crâne. Fais-le, fais la poule. Fais-le, fais la poule. Attends, il faut que le hurleur, je l'ai une balle. Sachant qu'il y a d'autres zombies qui se pointent. Mais non, mais tire au-dessus, mais arrête. Attends, qu'est-ce qu'il... C'est quoi le délire? Ah! Alors, petit. Je sais pas. Je suis pas clair. Je suis pas sûr de la visée. Oui, non, je peux. Monsieur militaire. Monsieur militaire doit mourir. Détruisez 5 infestations en une journée. Non. Magnifique. Et lui, je le fais à la main. Comme ça. Ah, je gère trop bien. C'est un beau succès de se voir attribuer la gestion de 5 hordes de zombies en une journée. C'est un très très beau trophée de guerrier. Merde, un entrepôt, il n'y a rien. Oh, le jour quand je vais arriver au tribunal, non mais ça va être la fête quoi. C'est vraiment la suite du scénario. Il n'y a rien à faire. Bon, je suis à côté de la base principale, je m'en fais pas trop. Ouais, là il y a une histoire de mastodonte. Celle qui aime faire le camping, on retourne au camping. Allez, on prend une bagnole et on retourne au camping. Ouais, ouais, la crise est passée. La crise est passée. Il y a des trucs à fouiller autour du... l'étang... Enfin, c'est pas un étang, ça, c'est un... Oui, c'est un truc putride. Oui, non, c'est dégueulasse. On entend même les mouches voler. C'est dégueulasse. On va faire un petit repérage. Petit repérage. On va aller sur le château d'eau. Un petit repérage sur le château d'eau. Un petit repérage. Made it. Gonna look around now. Uh-huh.
Site abandonné. Là-bas, il y a quoi? On a un camping. Bonjour Balivania, comment que ça va? Bah moi ça va, merci. Ça, il fait pas trop chaud donc je vais pas me plaindre. I think I've seen enough for now. C'est vivable. Donc j'espère que tu vas bien aussi. Merci de passer faire un coucou. Ah t'es en mode réveil. Oh vache, t'es pas décalé du tout. Bah pour info, si t'es intéressé, dans quelques minutes, on va aller chez FunFan pour un nouveau jeu. Et c'est un épisode commenté. Donc, si t'aimes la formule, pendant que FunFan tient la manette, moi je vais argumenter et donner des infos culturelles en même temps. Autour du jeu ou d'un thème abordé par le jeu. Un boursouflé. Oh la vache. Oh, c'est horrible d'entendre les mouches. Attends, j'ai mis un zombie bizarre là-bas, non? Non. Oui, ça sera toujours mieux que Mass Poubelle. Oh! C'est un magnifique jeu, Mass Effect. Oh la vache, j'ai loupé l'échelle. Heureusement qu'elle est acrobate, parce que j'étais parti pour me briser les jambes. J'ai complètement raté l'échelle. Faudrait que je me barre avec un véhicule. Il n'y a plus. Il n'y a plus de véhicule. Là-bas, il y a un truc. Mais c'est loin. Le break, il est trop loin. J'inquiète. Non, devant. Devant, j'ai même. Non, non seulement j'ai le choix. Mais il y a plus de véhicules. Là-bas. Ouais. Alors, attends, là, j'ai un vilain. J'ai deux vilains. Ouh, lui c'est un super dangereux, attention, je vais éviter de me frotter à lui. On va se faire discret, on va se faire ninja. Alors Balivania, tu dis, oh là là, pourquoi, mais pourquoi je suis si seul au monde à pas aimer ce jeu mort de rire. Je t'avouerai que oui, je crois que tu es le seul à ma connaissance qui n'aime pas le jeu, dans tous ceux que j'ai plaisir de côtoyer sur Twitch et équivalent. Je crois que t'es vraiment le seul à pas apprécier Mass Effect. Attends, c'est quoi le zombie là? J'ai un zombie fusionné avec la carcasse de bagnole. J'ai un zombie voiture, ça fait peur. Je voulais aller au camping, demi-tour tout. Alors, je vais finir par y revenir à ce camping. Oh, ça fait déjà 2 heures que je fais le jeu là, merveilleux. Quand on aime, on compte pas. Et si j'ai pas de bêtises, sans vouloir balancer, ton retard est suffisant. Session de 4 heures sur ce jeu, c'est pas 6. Je sais plus, vous avez une très longue session sur State of Decay. Mais c'est vrai que c'est prenant. On a la chance d'avoir le temps de faire l'humeuse à outrance. C'est vrai que le jeu, on peut se faire une journée complète. Merde, meurt. Oh là là. Bizarre que avant d'aller au camping, on va aller voir. Il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oula! Merde, j'ai pas le temps de me retourner. Allez, cours maintenant. Alors attends, on ne panique pas, on prend le bon truc, on prend le bon médoc. C'est salaud. Le nalo. Reprends ton endurance. Oh merde, le bâton va péter. Oh merde, il y en a 3 là. Oh, ils sont trop nombreux. Je vais y aller au flingue là. Ça va pas. Évidemment, je vais attirer encore plus de monde. Évidemment.
Oula! Je me fais encercler. Ah mais ils sont plus bien ici. Merde, je ne mourrai pas la tête. Alors ne pas tirer sur la réserve. On te donne 3 balles. C'est tout ce qui me reste. Ah. Ouais, il va falloir le faire le reste à la main. Attends, je te dirai après, bah, Vanilla, attends pour moi, parce que là c'est son bilan. Magnifique. Elle est extraordinaire, cette fille. Alors, Balivania, tu dis oui, pourtant, Mass Effect. Je rêve ou le zombie a bougé post-mortem là. Oh 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 oh, j'en vois un qui arrive. Oui, pourtant, Mass Effect, bon, à premier rapport, c'est quand même pas un si mauvais jeu. Fumfan à 1992 a dit, je suis bon de mon côté. Ah, on va se faire un épisode commenté, j'arrive. Et, oh oui, Jirikan. Ah, parce que ça veut dire cocktail Molotov. Mass Effect, bon, premier rapport, c'est quand même pas si mauvais jeu, il est quand un peu bon du là, je dis, mais que je dis pas que je trouve intermittable. Test à rallonge, des dialogues aussi à rallonge, bah oui, c'est parce que très littéraire, Balivania. Les phases d'action sont pas mal, mais je trouve que c'est un peu bateau, les phases d'action. Hop là. Ah ouais, faire des molotov, ça va être énorme, ça. Yop, ici, j'arrive fan. Quit hour. Ah ouais. Bon bah tant pis, on passe par la fenêtre. Ah merde, la vitre est là. Là, il y a la vitre ou pas? Non, il n'y a pas la vitre. Effectivement, il ne reste plus rien. Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais c'était bien. En 2 heures, là, j'ai bien combattu. Je regarde. Incroyable. Vous avez le droit de voir mon pif. Le temps de la transition de scène. Enfin, de chaîne. Ok. J'arrive, fan. D'ailleurs, on peut ouvrir tout de suite la vocale. Merci à vous d'avoir regardé. A plus. Je reviens vers l'heure du goûter tout à l'heure, vers 16h30. Ciao, ciao. Tout de suite, on file en épisode commenté.